J'aime la couleur. Les nuanciers de couleur sont mon quotidien, ce sont mes outils. Quand j'ai croisé le nuancier de couleur, le Corbusier, pour la première fois, j'ai ressenti un véritable coup de foudre. Depuis, je pars à la rencontre des gens qui vivent au quotidien dans les sites construits par le Corbusier. L'idée est simple, créer des rencontres par la médiation de la couleur, puis développer des installations in situ en résonance avec l'architecture des lieux. Quand on arrive, la silhouette grise et massive de l'unité d'habitation s'impose de loin. Mais cette première impression laisse place à une autre image, colorée, brillante, celle des reflets des petites vitres de l'école maternelle sur le toit du bâtiment. Aujourd'hui, la petite école est fermée. Les hôtes qui m'accueillent évoquent cette fermeture en me guidant sur les lieux. Leur voix tremble encore d'émotion. Le récit du combat pour le maintien de la maternelle est vibrant. Les taches multicolores qui vacillent sur le sol me laissent imaginer d'autres instants, pleins de vie et de joie. Ceux des jeux des petits élèves. Je les imagine collés aux fenêtres disposées à leur hauteur et sautant dans les flaques de lumière colorée. C'est ce tour de force que je cherche à souligner, ce mélange de rigueur et de légèreté, cet assemblage de matière brute avec ce vert délicat aux tonalités changeantes, la sobriété alliée à la gaieté. J'arpente les lieux, je cherche l'emplacement où créer une installation éphémère. J'investis le hall d'entrée. En colorant les vitres du hall, tracer un jeu d'enfant. Revoir les enfants sauter dans les flaques de lumière colorées. Je demande aux personnes qui participent de choisir une couleur et d'y associer une image, une anecdote, une expérience. La parole est donnée à ceux qui vivent dans cette architecture. Mes interlocuteurs manipulent le nuancier Le Corbusier et je suis ravie de voir qu'ils prennent le même plaisir que moi à parcourir les couleurs. Les récits se suivent, chacun apporte une anecdote nouvelle.